Laura, c'est la patronne du DevOps d'ID depuis 4 ans maintenant. Vous, ceux qui étaient là au début, les années d'avant, la connaissent. C'est elle qui porte tout. Elle n'est pas toute seule, évidemment, même si elle fait l'essentiel du boulot. Elle est encadrée, accompagnée par tout un tas de petits gens qui sont bleus aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'ils viennent aussi tous là. Ils ne sont pas loin. Je ne vois rien du tout hein, avec les spots là. Venez là, tous les petits bleus, tous les accompagnants, sous les applaudissements massifs de l'assistance. Allez, venez, venez, soyez pas timides. Les speakers, ils sont là aussi. Laura, qui je dois faire venir encore d'autres ? Ils arrivent. Alors, il faudrait que les gens de l'agence aussi viennent, parce que j'ai... CO2, pardon. Gabriel, Servan et Amélie. Ils sont où ? Ils sont déjà rentrés. C'est... Alors, en les attendant, moi j'ai un. Elles sont où ? Non, Hervé, c'est pas toi, c'est des filles qu'on attend. Mais viens quand même. T'es bleu, tu peux venir. Alors, dans l'ordre, on a dans le désordre Servan, Amélie. Et Gabriel. On les applaudit aussi parce que c'est l'agence qui a permis de faciliter l'organisation globale de l'événement, avec Laura évidemment. Tous les petits bleus qui vous ont accompagnés, qui ont géré le temps, qui ont géré les tracks, les speakers, les branchements, etc. Des gens de Triptyque, des gens d'Innov. L'école Innov, qu'on peut applaudir aussi parce qu'ils sont là. L'agence CO2, j'en ai parlé, donc Gabriel, Amélie, Servan, on les recite. Hein. La société Diffusion pour la réalisation des montages vidéo, vous pouvez les applaudir aussi. La société EBS, Presta Technique, donc ça, super hola, parce qu'ils sont partout, ils sont dans toutes les salles, ils ont fait un super boulot, les micros marchaient, les présentations étaient affichées, ça marchait bien, c'était top. La société Imasud avec Christian qui est peut-être parti. Lui, il est où, Christian ? Il est là, il est à gauche là. Si on avait un gros projecteur, on serait sur lui. Une boîte super gérée par des mecs super, ça fait toujours plaisir. Avec Lisa aussi qui a accompagné pour les interviews, tout ça, qui n'est autre que la fille du monsieur, mais bon, je vous passerai le détail. Bref, Fred Novak le photographe, est-ce qu'il est là ? Fred Novak le photographe, il est là, il prend des photos, c'est son job, c'est normal. Bravo Fred. Un petit remerciement particulier au stade. On m'a mis le stade sur la feuille, mais en fait, c'est Xavier. Il est où, Xavier ? Et Viola et Marina. Xavier, t'es où ? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Viens là. Allez, vous pouvez l'applaudir tout pendant qu'il marche, hein, parce que... Donc Xavier, on travaille avec lui depuis le début, depuis 4 ans. C'est lui qui nous a poussé dans cette folie d'organiser l'événement ici. C'est à cause de lui. Est-ce que tu veux dire juste un petit mot à tout le monde là ? Rapidement, parce que je sais que vous avez tous passé une très belle journée. Merci déjà à toute la team Triptyque. Bravo pour cette très belle 4e édition. On est ravis de vous recevoir comme tous les ans, et je peux vous dire qu'on fait pas loin de 150 événements dans l'année au stade, et celui-là fait partie des plus beaux. Donc merci à tous les visiteurs, j'espère que vous avez apprécié les espaces et l'accueil, et puis à l'année prochaine. Merci Xavier. Et pour finir les remerciements, en beauté, encore un petit merci à Laura qui porte tout ça, vous pouvez la réapplaudir, je vous assure. Alors effectivement, c'est seulement la 4e année et on peut considérer cette année qu'on a fait le plein. On a enregistré 1052 personnes flashées à l'entrée. Donc on voulait casser les 1000, donc on les a cassés allègrement, c'est très bien. Pour l'année prochaine, si ça continue comme ça, je ne sais pas comment on va faire, mais ça c'est Xavier qui va gérer.
On finira peut-être sur le stade, en tribune, avec 30 000 personnes sur la pelouse. Ouais, ça va être du délire. On va nous l'envier. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous, de ce que vous avez vu aujourd'hui, de ce que possiblement vous pourriez voir l'année prochaine. Avant de clôturer complètement l'événement, on a des petites choses à faire gagner. C'est peut-être pour ça que vous êtes restés, que vous m'écoutez d'ailleurs, c'est gentil. Le truc, c'est qu'on n'a pas retrouvé les trucs qu'on devait faire gagner. Mais c'est juste un problème logistique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tirages au sort avec une main innocente. On va noter vos noms, évidemment, et les gagnants recevront, si on veut bien, les lots dans un futur proche. Voilà, le temps de les récupérer. Quels sont les lots? Alors les lots, il y a trois téléphones Huawei. P20. C'est important. Et deux tablettes Huawei. De dernière génération. Et tout ça, donc les noms des gens sont là-dedans. Mais il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas 1050. Il y en a plein. Bon, il y en a plein. On va dire que Lisa, qui est peut-être la plus jeune, va tirer. Non ? Donc Lisa, tu vas... Ils sont pas très gentils. Oui, mais ce sont des garçons. Allez, Lisa, pour le premier tirage, tu fouilles bien. Momotus. Et tu nous dis que c'est... Laurent Otto-Héro. Laurent Otto-Héro. Est-ce qu'il est là, Laurent ? Laurent ? Laurent, attention, parce que si t'es pas là, t'as pas gagné. Laurent n'est pas là. Alors on retire, Lisa. Vous lui direz à Laurent qu'il n'a pas gagné ? Arto Geoffrey. Geoffrey. Oh. Oh, manifeste-toi, Geoffrey. Il n'est pas là. Il n'a pas gagné. Valentin Dissé. Eh, Valentin, là, faut être là. Hein. Sinon, on n'est pas couché. Hein. Parmi vous, qui a participé ? Ah, voilà, c'est bon. En fait, là, on a la boîte de ceux qui n'ont pas participé. Pasquier Franck. Bon, on va s'installer. Boyer Sébastien. Donc Sébastien, Laura va te remettre ton prix. Tu peux lui faire la bise si tu veux, elle ne refuse jamais ça. Ah voilà, ils en profitent. Mais donc il faut qu'on ait les coordonnées de Laurent. On a le mail. Est-ce qu'il est bon ? C'est bien écrit, tout nickel ? Oui, je veux bien. Okay. Alors on retire. Ouais, il va s'en occuper, Cédric, le Montréalais. Allez, un deuxième. Il faut qu'il soit là. C'est moins innocent, du coup. Oulier Adrien. Adrien, es-tu là ? Non, il y en a un qui se lève, c'est pas lui, il s'en va. Un autre. Rouesh Sébastien. Rouesh ? Rouesh. Rouesh, Sébastien. Oh là 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 là. Oh là. Sandy Giustino. Oui, on a un gagnant. C'est qui, c'est Sandy. C'est Sandy, bah voilà. C'est ici. Voilà. Et pour les détails techniques, il faut se rendre
Laura. Il y a Sandy. Allez, repioche. C'est toujours pour un téléphone. On en a deux là. On en est à deux. Julien, le nom de famille. Julien Quentz. Quentz. Ah bah dis, c'est pas Julien. Fais gaffe, ouais. On a eu une chute une fois. Les plus anciens s'en souviennent. Alors, pour la tablette, la première. Verratti, Jean-Charles. Jean-Charles Verratti. Verratti, Verratti pas. Eh ben, Verra pas. À qui? Tirer pour. Oui, mais on a déjà tiré quelqu'un d'autre. C'est triste. Et c'est toi la patronne, hein? Eh ben, et tu donneras, t'achèteras un quatrième téléphone, voilà. C'est bon. C'est qui? Michaud Christophe. Christophe Michaud. Ouais, il est là. Et c'est bon, là. Je sais pas. Là, on est perdu. L'organisation, elle part en sucette complet. On sait plus qui on a donné. Alors. Non, c'est la deuxième tablette, ça. C'est le dernier. On n'a plus rien à faire gagner. C'est ça? Laura, on est bon, là? Il y a David et Fabien qui doivent me détester. Là, on a fumé une partie de la marche de l'année. Voilà, il me reste justement à remercier les deux cadors que vous avez vus ce matin. Là, David et Fabien, ils sont là? Ils sont où? Ils sont où? David est là? Fabien, il est où? Il est là, j'en entends. J'entends sa petite voix. Voilà, vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, tous les deux, là. Pour clôturer l'événement, je voudrais aussi remercier très sincèrement une personne qui est pas loin d'ici, je crois, qui est Sébastien Dubois, qui est ici, qui est le patron du Lib Day, qui est depuis 2 ans maintenant, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Viens, Sébastien, s'il te plaît. Et qui nous permet d'agréger en fait le D-Day avec le Lib Day. Et c'est, je pense, bien pour tout le monde, bénéfique pour tout le monde, à la fois pour le Lib Day, pour le D-Day, et puis pour vous, les participants. Sébastien, un petit mot là-dessus? Eh ben, un petit mot, un grand merci à Triptych, parce qu'effectivement, depuis 2 ans, ça permet aussi de mettre en lumière un peu toutes les technos autour du DevOps, un peu logiciel libre. Je pense que ça vous a plu, il y a eu des salles bien remplies sur des sujets très liés. Donc merci, et on va essayer de continuer à faire grossir ensemble cet événement. Parfait. Merci Sébastien. Voilà, donc les derniers à remercier, évidemment, c'est vous, même si là, ça s'est un peu éparpillé dans les travées. Vous, parce que c'est vous qui faites le succès de l'événement, évidemment, et qui le ferez, je l'espère, dans les années à venir. Pour toute question, demande, information, vous avez les contacts, vous avez suivi les tracks, vous avez les contacts de tout le monde, donc n'hésitez pas à abuser des contacts que vous avez pu glaner aujourd'hui. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, parce qu'il y aura un événement l'année prochaine, c'est sûr. C'est sûr que ce sera ici aussi, même si on fait 30 000 places, on aura de la place. Merci à tous et à l'année prochaine. Au revoir.